Extrême droite la fait gros avance dans l'élection parlementaire Union européenne. Now this election has given us two messages. L'élection ça a envoyé deux messages à nous. Premièrement, majorité centriste là, rester pour une Europe jam et ça essentiel pour stabilité. C'est-à-dire centre là, Kembe là, mais livrer tout que extrémistes sous bord gauche à droite là augmenter support yo. Donc c'est peut-être ça résultat yo vini à gros responsabilité pour parti centriste yo. Nous ka pas d'accord sur question individuelle. Mais nous tous gagnons intérêt pour une gain stabilité et nous tous voulons une Europe qui est puissante et effective. Gain deux parmi les leaders plus importants Europe là qui prend gros coup, président français Emmanuel Macron et chancelier allemand Olaf Scholz. Non, la France, parti Rassemblement National Marine Le Pen, tellement dominé l'élection dimanche là que Macron t'a dissous le Parlement national là tout de suite. Et puis lancer appel pour organiser nouveau élections. Après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution, j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Je signerai dans quelques instants le décret de convocation des élections législatives qui se tiendront le 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet pour le second. C'était un coquin chaîne risque parce que Patili t'a capable de perdre plus sièges toujours et puis ankylosé pendant reste mandat présidentiel Léa qui supposé prend fin en 2027. Le Pen t'es content d'accepter des FIA. Le président de la République, répondant à l'appel de Jordan Bardella, vient d'annoncer la dissolution de l'Assemblée nationale. Le retour aux urnes du peuple français dans quelques semaines. Je ne peux que saluer cette décision qui s'inscrit dans la logique des institutions de la Ve République. Nous y sommes prêts. Dans la rue Paris, électeurs français ont bail opinion sous déclaration Sayo. Je ne comprends pas le calcul politique. La France, elle a des institutions solides, la Ve République. Il fallait faire confiance aux institutions. Lui, il a... Je sais pas. C'est du début à la fin, ces quinquennats sont perturbants pour la société française. Nicolas Desurmont lui-même dit événements politiques drôles. Les événements politiques d'hier sont atypiques. Je crois que c'est un signal fort qui est donné au gouvernement. On a beaucoup de sujets, des crises sociales, environnementale, des crises d'entrepreneuriat en France et ces votes voilà, reflètent je pense une forme de malaise, mais je ne doute pas que le gouvernement avec la dissolution et le fait de reconvoquer tout le monde aux urnes, ça permettra de repartir de l'avant et je reste très confiant sur la capacité des Français et des Françaises à trouver de nouvelles solutions pour les années à venir. En tout cas hier soir j'ai été réveillé par quelques manifestations et je sens le peuple français gronder, notamment s'inquiéter de la montée des extrêmes. Dans l'élection législative qui était déroulée en 2022, parti centriste Macron remporté plus fort siège, mais il était perdu majorité dans l'Assemblée nationale. Ça qui forcé parlementaire fait en pile manœuvre politique pour adopter loi. Décision dimanche là représentait non seulement un gros risque qui est capable bien compter, mal calculé, mais tout augmenter chance pour Le Pen prend pouvoir éventuellement. Sandra Lumaire, VOA Creole, Washington.